Je m'en donne la voiture, c'est ma chauffeuse qui vient me chercher aujourd'hui. Salut tout le monde, c'est ActuYTB2. On va regarder une story, plusieurs stories en fait de toute la team Nasdas, en commençant par Cappuccino, et après je vous dirai mon avis. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu, à vous abonner et bon visionnage. Je m'en donne la voiture, c'est ma chauffeuse qui vient me chercher aujourd'hui. Mais ta soeur, ça va. Pub disponible. Je te le dis, on... Biste. Oh, Omar. Oh là, il y a l'Uberite le plus chaud de France, frère. Il est venu de Paname. Regarde. De Paname en scooter. Ouais, de Paname en scooter. Oh là, il est chaud, le haut. Il est chaud, Mansour. Hein. Chaud, hein? Il est froid. Il est chaud ou il est froid? Direct, direct Perpignan. Oh, attends, il y a un scooter. Il est venu en scooter, c'est chaud. Bonjour les filles, bonjour les garçons. Aujourd'hui, on est dans Guitare, on en sait regarder. Non, ouais, ouais. Eh bien, il a raison. Pourquoi? Parce que je préfère que tu ailles à l'école. Oui, bien sûr. À l'école. Il est à la 4h, appelle-moi. Eh bien, c'est bon, donne-leur mon numéro, comme ça, la carrière. Ouais, parle-toi français. Ouais. Moi, on parle arabe. Ou même quand on prince arabe. Ça y est, là, t'enchaînes trop là, ils comprennent pas. Continue, tu trouves ça normal? C'est quoi ça? Temps écoulé. Écolo. Écoulé. Et c'est quoi ça? Oh, ça c'est une zabola pour pirater le snap. Il va supprimer mon snap. Ah mais non, s'il te plaît, la chaîne t'es à Hamou, elle dit comme non, voilà. Je vous en prie, mes aboulets, mes aboulets. Je fais rien. Allez, on le regarde une autre fois pour le plaisir. Avec un autre angle de vue. Qu'est-ce que tu fais, Cappuccino? Ah, c'est fait. Je suis en train de régler mon jeu. Voilà que rien ne va plus. Rien ne va vraiment plus. Je suis venu voir mon gars, Hot Shave. Non, ici, c'est les choses sérieuses. Je vais vous montrer que ce type, c'est le meilleur coiffeur qu'on a ici. C'est un truc de ouf. Il fait que des coupes de malades. Dans la coupe, la MIF, je vais vous montrer quelques-unes de ses meilleures coupes. Même vous, vous n'allez pas me croire. Et sur son Insta, il y en a encore plus. Il tente que des coupes de malades. Tout ce que tu veux, il te le fait. Vous allez voir. Franchement, la satisfaction est toujours là. Regardez-moi cette coupe incroyable. Bête de moustache, bête de barbe. Non, franchement, il est ultra fort. Tout à l'heure, en plus, je vous ai mis son Insta, la MIF. Il suffit de swipe up sur son Insta. Tu prends rendez-vous en ligne. Il y a un lien, tu cliques dessus, tu vas prendre rendez-vous en ligne. Comme je vous ai dit, il est ultra professionnel. Maintenant que j'ai un style de sicarios, muchachos, les mexicos, les fils de putos, toi, emmène-moi manger, fils de pute. Emmène-moi manger, je suis obligé, je suis devenu trop gangsta. Voilà, allez, cette moustache m'a rendu trop gangsta. Emmène-moi manger, cousin. Et bien la moustache, voilà, bien. Non, merci, mon frère, là, ça me touche de vrai. Bien la moustache. Je t'aime, voilà. Emmène-moi manger.
Ah voilà le nouveau son de Lemonade, il est archi lourd. Là la chanson de malade. Voilà Kaira. La balle, voilà, c'est un son de fou. Sachez que de base on devait rentrer en train. Mais en fait on a beaucoup trop d'affaires. Du coup on a demandé à notre gentil chauffeur Ryan qui nous ramène. Il a dit oui. F2R, il a joué pour faire Lyon-Perpi pour nous. Et au final, en fait, il nous a mis une arnaque. C'est Angie qui conduit, genre. Baby, je suis bien arrivée à Perpignan, je suis super fatiguée, mais c'est pas grave. Je vous repartage encore une fois le snap de Ryan, chauffeur Lyon, parce qu'il est vraiment au top. C'est lui qui nous a ramenés jusqu'à Perpignan. Il a été au top tout le long de notre séjour. Donc ajoutez-le et vous pouvez avoir confiance en lui, les yeux fermés. Si ça y est, je suis enfin de retour à la maison et je viens de me réveiller. Enfin non, je viens pas de me réveiller, mais chaque fois je me justifie, je dis non, je viens pas de me réveiller. Si je viens de me réveiller, il est 13h. J'avais de la fatigue cumulée, il fallait que je me repose. Présent, il est l'heure de défaire les valises. Oui. Ok, donc j'ai enlevé les zips, mais je découvre avec vous. Je présume que ça va être un petit peu le bazar, me connaissant. Mais on va voir. Oh, ça va. Franchement, ça va. J'ai déjà fait pire. Par contre, j'ai essayé un petit peu plus tard parce que c'était un peu le fourre-tout des vacances. Donc j'avoue, j'ai un peu peur de l'ouvrir en live. Ça devrait faire. Là, on a une doudoune, on va comprendre pourquoi. Oh putain, merde, là, c'était vraiment le fourre-tout, quoi. C'est pas de le dire, oh my god. Je ne peux pas commencer une journée sans mes œufs. Oh putain, merde, là c'était vraiment le. Je ne peux pas commencer une journée sans mes œufs, donc je mange des œufs. Regardez les filles, je me suis enfin occupée d'accrocher ce miroir au mur. Je l'ai peint en beige parce qu'il était doré. Je l'ai peint doré parce qu'il était beige pour faire mes petits TikTok, mes petits outfits. Je suis très très contente. Ma mère, j'étais en train de faire une story sur toi, tu m'as appelée au même moment. Ouais, t'as fait une télépathie, il est où mon chargeur? Voilà, t'as mon chargeur. Angie, rends le chargeur. Rends le chargeur. Sorti un très vieil ensemble que j'ai depuis super longtemps. Mais j'arrive pas à m'en séparer. Genre, je le trouve mignon. J'ai fait plein de petits TikTok et je vais les poster ce soir. Donc je mets le lien de mon TikTok pour ceux qui l'ont pas. Si vous l'avez pas, vous déconnez. Le process de... Les gars, tout ce qui bouge dans mon Telegram, je la mets maintenant la famille. Allez, tous way up. Donne-moi la force, les gars. Il y a plein d'individus à moi. Je vous aime. Oh, les gars. DJ Maestro. À monsieur Burns dans les Simpsons. Ah oui, je le connais. Oui. Bon, il est plutôt drôle, Burns. Oui. Je voulais vous montrer une image, il est là. Comment, il est là? Ah, tu l'as? Ah, tu trouves vraiment que je lui ressemble? Enfin, non, c'est les gens, c'est pas moi. T'es dur avec moi. Non, c'est pas ça. Vous comparez. C'est pas frère, tout le monde, et bonjour à tout le monde. Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Il y a du soleil. Eh oui, comme ça. J'ai le frérot qui travaille. Plein. J'ai rendez-vous avec mon médecin, j'ai parti avec un short. C'est incroyable. Ah, j'ai un pote là, je l'ai dit, il y a quoi dedans, voilà. J'ai pas compris des trucs, des analyses ou je sais pas quoi. Voilà le résultat de mon vote, les gars. Elle, je ne le connais pas. Lui, pas du tout. Elle est là, le quartier jaune. Elle est là, elle est dans le quartier jaune normal. Lui, son visage, je ne le connais pas. Elle est là, contre les blédards et contre les tout. Ah, lui, c'est pur. Hein. Ah, lui, c'est pur. Lui, Zimour, c'est pur du pur. T'as vu pourquoi, les gars? Parce qu'on a son nationalité algérienne, mais il parle des Arabes et tout. Lui, ça va, il aime bien. Ça va. Excusez-moi, monsieur. Vous votez à qui? Zimour ou qui? Macron. Allez, Macron. Allez, tous votez à Macron. Oh là, tu ne se connais pas, vous perdez. Oh, j'ai rendez-vous à la piscine. Mélenchon. J'ai sac pour faire des piscines. Mélenchon, il disait. Comment te fais chaud, comment te fais le sport?
pas mieux. Obligé à rentrer les gars. Elle est chaude, c'est quoi, amour? Wesh, elle est chaude. Les gars, t'as vu pourquoi je vais partir? Ah, j'ai resté l'emploi, j'ai mis les dedans. Il y a quoi? Je vois un quelqu'un qui piscine dans de l'eau. Je suis dans le piscine, la même piscine à lui. Mais putain, c'est quoi ça? Voilà. Ah, je vais partir, je regarde, il me dégoûte. Voilà, il me dégoûte. Il a fait pipi dans de l'eau. Hein? Je viens plier des piscines comme ça, voilà. Là, moi, je dis, je vais faire du sport, il n'y a pas de sport, il a fait pipi. Les gars, t'as vu pourquoi je vais partir? Ah, j'ai resté l'emploi, j'ai mis les dedans. Il y a quoi? Je vois un quelqu'un qui piscine dans. Zarma, la bonne excuse pour pas faire le sport, la natation. T'es, il a vieilli, Billy. J'ai un bébé qui arrive, Inch'Allah. Pour la dernière fois dans la story, j'ai oublié de vous le dire. Parce que c'est un garçon ou c'est une fille. Les gars, j'ai un fille, Inch'Allah, qui arrive. Les gars, je vais les laisser vous qui choisissez le nom, elle, c'est quoi. Tous m'envoient des messages, le nom du fils, c'est quoi, et la famille. Et moi, je choisis le premier qui j'aime bien son. Comment ça s'appelle? Son prénom. Son prénom. Je la fais quoi? Je partage sur Snap, comme quoi c'est lui qui appelle ma fille comme ça. C'est beau les gars, je vais attendre la famille, grosse force à moi, grosse force à tout. Je donne tous les messages, je vais répondre à tout le monde. Donc voilà, c'était la story de Billy DZ. Donc je suis sûr qu'il a trouvé une excuse pour ne pas faire la natation, bien sûr, pour justifier. Et aussi, j'ai bien aimé la story d'avant, d'hier, quand il disait Mélenchon. Donc au début, il disait « J'aime bien Mélenchon, Mélenchon ». Et après, il se rappelait plus, il disait « Mélenchon, Mélenchon ». Tout simplement. Donc Coco, elle est revenue de Lyon après son séjour. Et je me rappelle, la dernière fois qu'elle s'est embrouillée avec Angie, c'était à cause du chargeur, justement. C'est parti de l'histoire du chargeur et ça s'est envenimé, je m'en rappelle. Donc voilà, il y avait toute la team Nasdaq, Farah, qui a fait 350 000 vues quand même. C'est fort de la part de Sarah, Tunsi, qui se la joue mafiose. Tu connais pas Tony Montana, Tunsi, avec sa moustache. Il veut ressembler à Tony Montana, mais il n'est pas Tony Montana. RZ, qui a fait une story courte. Et on avait commencé par Cappuccino aussi, qui n'a pas fait beaucoup de stories. Donc c'est des humoristes de Perpignan, de la team Nasdas au quartier de Saint-Jacques. Ça reste des vidéos d'humour, bien évidemment. Donc n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires, à mettre un pouce bleu, à vous abonner, à cliquer sur la cloche. Et je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos. Merci d'avoir regardé. C'était ActuYTB2.